Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Alex. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de nos amis Verseau, sentimental, intemporel. On va voir ce qui se passe en amour pour vous. Donc ce tirage va concerner le signe ascendant, le signe solaire, le signe lunaire en Verseau. Il ne peut bien évidemment pas correspondre à la vie de tous les Verseaux sur cette terre. Prenez uniquement ce qui vous parle. Celles et ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi, vous m'envoyez un mail avec votre date de naissance et votre prénom complet sur l'adresse mail qui se situe en dessous de cette vidéo. On y va, Verseau, sentimental, intemporel, c'est pour vous. Que se passe-t-il concrètement en ce moment en amour pour vous? On va voir un peu ce qui se passe, dans quel état d'esprit êtes-vous? Allez, on y va. Alors, voyons voir. De quoi est-ce que ça nous parle ici? Ok, il y a des... Waouh, il y a des toutes nouvelles rencontres ici qui arrivent. Alors, ça peut être des nouvelles rencontres ou des officialisations d'union, c'est-à-dire qu'on décolle avec la personne. À l'image de cet avion-là qui est en phase de décollage, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, il y a des relations qui prennent vraiment une direction tout autre. On change de cap avec le partenaire, on change de cap dans sa vie sentimentale, on va vers une officialisation du couple et des sentiments ici. On franchit un degré d'engagement supérieur. Alors si vous êtes avec personne, on pourrait penser ici à une nouvelle rencontre, puisque là j'ai la carte du bonheur intense et de la joie. J'ai la carte aussi de la nouveauté, de quelque chose qui est nouveau, de quelque chose comme un nouveau départ, avec l'amour, avec l'engagement. Alors, soit vous êtes déjà en couple avec quelqu'un et va sur les chapeaux de roue, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'au début, bon, c'était une relation normale, simple, et là, paf, ça décolle en termes d'engagement. Soit vous n'êtes avec personne et là, on voit une nouvelle rencontre qui va vous faire décoller. Ça va aller très très vite. La carte de l'avion nous indique en fait que ça va aller très très vite. C'est-à-dire que tout va se faire, mais très rapidement, cette personne va énormément vous plaire. Vous allez tout de suite avoir les mêmes projets, les mêmes idées, les mêmes concrétisations, les mêmes envies de concrétiser certaines choses. Et ça va décoller. Vous allez être en phase vraiment avec la personne que vous allez rencontrer. Ça ne peut bien évidemment pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui vous parle. Ici, on parle vraiment de sortir d'un état de morosité sentimentale avec la création ici de quelque chose de nouveau. On voit à l'image du serpent qui change de peau, qui mue, vous changez de peau, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui disparaît de votre personne pour renaître. On renaît, on refait renaître une histoire d'amour, on prend un nouveau départ soit avec une personne, avec quelqu'un, soit il y a des nouvelles rencontres ici. Voilà ce qu'on a en énergie 1. En énergie 2, on me parle de quelqu'un qui se débloquerait éventuellement au niveau de l'engagement. Quelqu'un qui était bloqué avec la question de la fidélité, de l'engagement, de tout ce qui est concrétiser une union. On voit que cette personne se débloque pour aller de l'avant avec vous et pour construire quelque chose de solide. Cette personne a des projets vraiment solides. Cette énergie 2 m'indique ici qu'il s'agit d'une personne du passé, potentiellement qui serait liée à cette énergie 1 et à cette énergie 2. C'est comme si ici, une personne avait lâché quelque chose d'avant pour avoir maintenant une nouvelle peau, un nouvel état d'esprit pour faire décoller cette relation qui jusqu'à présent était vraiment au point mort, qui stagnait. On voit vraiment ici que ça décolle et ça décolle vite, on parle de rapidité comme je vous ai dit, parce que justement ça a trop stagné et cette personne a trop stagné en face de vous. Donc là, hop, elle se débloque et dès qu'elle se débloque, paf, ça décolle. Voilà ce qu'on a ici. Il y a potentiellement des demandes ici d'emménagement à deux ou des demandes comme ça de concrétiser un projet avec cette personne de cœur. En noyau central, on a quelque chose qui arrive de manière totalement inattendue. Vous voyez ça là, cette relation qui décolle, ça, vous n'allez pas du tout vous y attendre. C'est quelque chose qui va vraiment vous booster, c'est quelque chose qui va arriver comme ça,
D'un coup. Et vous voyez, si je regarde ici en dos de deck, on a la création, on a le nouveau départ, on a les petits bourgeons qui indiquent une floraison ultérieure. Quelque chose qui arrive donc soudainement, de manière inattendue, en noyau central. Une relation avec le partenaire qui décolle. C'est très 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 positif comme tirage ici à mi-verseau. Je vais tirer trois cartes des anges de l'amour pour voir un peu ce qui se passe. On a quoi? On a une personne en face de vous qui potentiellement était bloquée à cause d'une énergie du passé avec une ex ou un ex qui a réussi à purifier son énergie. On a quelqu'un qui a réussi à reprendre le contrôle de sa vie ici, en amour. Quelqu'un qui était bloqué et qui va mieux. Alors pour moi ici, c'est plus l'énergie du partenaire en face qui est concernée, mais ça peut très bien vous concerner aussi dans la mesure où ici c'est un tirage sentimental, les énergies sont interchangeables, d'accord? Cette personne-là qui avait peur de la trahison, qui avait peur de la tromperie, du coup qui était dans l'incapacité de s'engager avec vous pour se protéger, va se libérer de ses peurs paralysantes et va reprendre le contrôle de sa vie. C'est un tirage très très positif, ami Verseau. Si vous souhaitez savoir ce qu'il en est pour vous personnellement, vous m'envoyez un mail sur l'adresse située en dessous de cette vidéo et on voit en fonction de votre date de naissance et de votre prénom. Allez, bis, à bientôt, bye bye.